Salut. Le 21 novembre 2013, ces premiers gens avec les drapeaux de l'Union européenne qui se réunissent pendant la nuit. Après une semaine de protestes, c'est la police qui a commencé de battre les étudiants, les activistes, les vieux gens et ceux qui restaient dans le Maïdan. Tout le pays, dans la télé, a vu ce qui se passait. Et après ça, le Maïdan a commencé comme grand mouvement. Maïdan semblait comme une petite république avec ses règles dedans, avec sa sécurité dedans, avec les journalistes. C'est quelque part comme un prototype d'anarchisme, mais anarchisme de bon point de vue. Tout le monde veut aider sans question, sans dispute. Tout le monde sait que faire et ça aide à les autres. J'ai allé à Maïdan pratiquement tous les jours et j'ai commencé d'organiser le logement. L'espace pour faire des réunions des activistes. Je me souviens les gens, l'événement, les musiciens avec qui j'ai aussi parlé, travaillé. J'ai eu beaucoup de nostalgie. Au mois de janvier et février, j'ai resté à Maïdan pendant la nuit. On a commencé à faire des cocktails pendant les événements plus chauds de Maïdan. Pratiquement tout le monde avait peur, mais de sortir contre sa peur. En des dernières nuits, j'ai été blessé de sniper, et comme ça. C'est 19 février 2014. Le pouvoir de Kyiv a arrêté le métropolitain. C'était le final. Je veux que les gens ne rentrent pas dans le Maïdan pendant la nuit. Je prends mon frère, je prends mes amis. J'ai écrit le post sur Facebook qu'il faut aller au Maïdan. Et en tout cas, j'ai commencé à marcher à pied. Il y avait un taxiste qui arrêtait et dit: je peux prendre jusqu'à Maïdan gratuitement. J'ai eu la caméra avec moi. J'ai compris qu'il faut faire le vidéo de ce moment. Et quand j'ai filmé quelqu'un de sniper pour me blesser. Les snipers tiraient avec les balles mortelles. Les snipers voulaient faire un cleaning des journalistes, des médias, de celui avec les caméras. Un ami, c'était Mohamed Nouk, il était de l'Ouest de l'Ukraine. Il a eu coup de balle deux jours après que j'ai eu la blessure. Même j'ai pleuré. C'était très, très, très difficile de savoir que quelqu'un de tes amis était tué. Il y a une longue période, une grande période de temps que je n'ai pas pu ouvrir sa bibliothèque parce que ça fait un peu mal pour moi. Mais il y avait quelques mois que je l'ai ouvert et j'ai commencé à faire un film de cette période-là. Après Maïdan, j'ai commencé à penser qu'avec l'art, avec la culture, qui peut changer beaucoup mieux le pays. En tout cas, je veux raconter sa histoire, les gens qui étaient autour de moi.